Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, on va tester un nouveau jeu rétro. Il s'agit de Alex Kidd in the Shinobi World sur Sega Master System. Un petit jeu de plateforme, enfin oui, un jeu de plateforme mélangeant l'univers d'Alex Kidd et le monde de Shinobi, où Alex Kidd qui visiblement a troqué son uniforme pour un costume de ninja. Voilà. Alors ce jeu est bien, mais pas très facile sur les bords. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que oui, déjà pour commencer, on retrouve bien le cliché des jeux Shinobi, à savoir voilà, le lanceur de comment dire, vous voyez, le lanceur de lame. Alors qu'il y a un ninja juste au-dessus de ma tête. Voilà, tu dégages. Oh, ce jeu promet d'être extrêmement hasardeux. Je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout. Je vérifie. Voilà, où je savais. Ah merde, il m'a touché. Ah merde. Oh. Et je vous jure, ce jeu, franchement, il est pas très simple. Non, non, sans déconner, ce jeu est pas très simple. Alors qu'il y a, ouais, là, il y a un tireur là. Ah merde. Oh, ah merde, ça y est, je suis mort. Putain. Ok, on commence hyper mal. Donc c'est une parodie du jeu Shinobi mettant en scène Alex Kidd. Hein. Bon alors, voilà, les cœurs, voilà. Bon, ce jeu, bon, il est bien, mais bon, c'est sans plus quoi. Faut dire que j'ai jamais été un grand fan des jeux Alex Kidd. Je sais que Alex Kidd a longtemps été la mascotte de Sega avant d'être remplacé par Sonic. Et au fond, c'est pas plus mal parce que Alex Kidd avait quasiment moins de succès que Mario. Voilà, et on dégage. Ouais, faites gaffe aux ennemis, il y a des ennemis partout, d'ailleurs, pour vous dire la vérité. Hein. Faut vraiment, mais... Aïe! Ah! Ah, putain, oh, je suis mort avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Oh, fais chier, putain. Ok, ce jeu, lui aussi, il va me casser les couilles. Hein. C'est la première fois que je joue à un jeu Alex Kidd. Je sais, oui, j'ai honte de le dire, mais c'est la première fois que j'y joue. Hein. Voilà, allez, on continue. Attendez. Merde. Oh, c'était pas tout à fait ce que je voulais faire. Allez, donc, attendez. Ah oui, un petit cœur. Attention au ninja. Voilà. Allez, on continue. Allez, on va plus haut. Voilà. On bute des ninjas. Voilà. Voilà, il y a un item qui est juste en haut, mais je sais pas comment il faut faire, je suis désolé. Hein. En plus, j'ai vraiment pas le temps de ramasser des items. Aïe, putain! Ah, ça y est, voilà! Eh ben, putain, que ça a été dur! Allez, la deuxième partie du niveau 1. Oula, attention, encore des ninjas. C'était bien bien caché, ces petits salopios là, hein. Putain, mais ne descends pas! Attendez, parce que là, excuse-moi, j'ai un petit problème. Merde! Ah, putain, je... Oui, alors, faut dire que Alex Kidd, je vais pas dire ça, mais il est un petit peu difficile à manœuvrer. Hein, je sais pas pourquoi. Attention, parce que là, il y a le lanceur. Ah, merde! Oh, putain. Ah, oh, génial, ça me fait repopper au début, putain. Oh, comme si j'en ai... C'était pas assez la galère, et... C'est pas grave, allez, on continue. Allez, on continue, on continue. Ah, mais putain, il fait chier lui aussi! Voilà, on est sur celui-là. Bon, oui, alors celui-là, il est un petit peu. Il est vraiment dur à. Ah merde, il y en avait un qui s'était faufilé. Bon, celui-là était... Bon, vous n'êtes pas obligé de le tuer, hein. Enfin, je sais... Eh putain... Oui, il y a certains ennemis qui sont vraiment chiants à tuer. Je sais pas si c'est... Si, comment dirais-je, si c'est vraiment nécessaire de tous les buter, mais bon, ça fait rien. Voilà. Putain, mais putain, oh! Foutez-moi la paix, s'il vous plaît! Je vous ai rien fait! Ah oui, je vous explique vite fait le scénario du jeu. Et merde! Bon, donc,
la petite copine d'Alex Kidd s'est fait enlever par un monstre qui doit aller la sauver. Pour ça, il lui faut des pouvoirs de ninja. Et justement. D'ailleurs, Alex Kidd, je sais pas pourquoi, mais il fait trop penser à Son Goku, je sais pas pourquoi. Bref, c'est Son Goku sans la queue de singe, quoi. Allez, bon, pour les petits cœurs. Oui, alors les seuls alors les cœurs, ça représente la vie, bien évidemment, hein. Oui, oh putain, oh là là, c'est ça le prix. Bon, lui, je sais pas comment il faut faire pour atteindre cet ennemi, je suis désolé. En plus, j'ai vraiment pas le temps. Bon, ok, j'arrive pas à atteindre, je peux pas sauter plus haut, je suis désolé. Je vais voir, je vais attendre qu'il. Oh putain, bon, toi le ninja, tu vas. Putain! Ça aussi, c'est salaud, putain! Non, mais je vous jure, franchement! Bon, c'est pas grave, on va continuer. Bah voilà, ce que vous venez de voir, c'est juste la séquence du début où la petite fiancée d'Ice Kid s'est fait enlever. Voilà, on bute celui-là. Je vais attendre que ce ninja s'éloigne. Voilà, bon, lui, attends, oui, on l'a buté. Bon, c'est peut-être pas nécessaire, mais bon, je le bute quand même. Voilà. Attendez, je crois qu'il y a, oui, il y a un ninja. Voilà! Je savais qu'il y en avait un. Oh putain, j'étais sûr j'étais persuadé qu'il ne me toucherait pas celui-là. Putain! Attends. Putain de merde! Oh merde! Oh, s'il me touche, je suis mort. Voilà. Ah, oh, super. Mais bon. Et chose qui est chiant dans ce jeu, c'est qu'à chaque fois qu'on change de niveau, la vie ne remonte pas. Ça aussi, c'est pas juste parce que Putain, mais on n'arrête pas de galérer à mort pour ensuite crever à la dernière minute. Bon, attendez, je vais voir si. Parce que si je vais me concentrer. Attendez, je vais attendre qu'il. Voilà, attends, parce que là, il y a des mecs qui tirent là. Ah merde! Et puis, putain, il m'a tiré directement une balle dans le pied, putain! Bon, ça me repop pas au début. Non, et puis quoi encore, hein? Voilà. Toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Allez, on monte. Bon, sinon, je trouve les graphismes de ce jeu assez bien, ça va, oui. Là, c'est vraiment quasiment du 8 bits. Sauf que c'est pas sur Nintendo, mais sur Sega Master System. Mais la Sega Master System était en 8 bits. Voilà, allez, attendez. On se concentre. Voilà, allez. Voilà, allez, attention. Oui, attends, faisant gaffe aux ennemis. Allez, voilà. Voilà. Ah, un P. Oui, alors les items que vous allez. Ah oui, ouais, super, le P c'est pour gagner de la force. Autrement dit, power. Très bien. Ok, voilà. Oui, donc les seuls items que vous allez trouver sont des cœurs et de la force. Ah tiens, encore un cœur. Voilà. Oh là, attention. Merde! Ah oh, putain de. Ah merde! Oh putain! Je sais pas ce qui s'est passé! je sais pas ce qui s'est passé. Là, il y a. Là, je voulais atteindre la petite plateforme et je sais pas ce qui s'est passé. Alex Kidd, il a glissé. Il a limite trébuché et. Et on l'a pas retrouvé son corps, quoi. Bon, ok, j'ai encore perdu. Et on repop au début, putain! Mais comme si c'était pas assez la galère, allez! Voilà, petit coup de sabre. Attends, est-ce que je le tue? Oui, je le tue, ouais. Voilà, allez, on continue. On bute des ninjas. On continue. Voilà, allez, encore. Youhou, par ici, voilà. Voilà. Bon, c'est bon, ça va. Putain! Oh, connard de ninja!
Bon, ça, j'ai réussi. Eh, pour un moment, je sais pas pourquoi il est aussi dur. D'habitude, les jeux d'Alexis ne sont pas aussi durs que ça, hein. Enfin, le seul jeu d'Alexis qui paraît mais quasiment dur, c'est Alexis in the High-Tech World, qui sans conteste le jeu le plus difficile au monde. Ah, putain de merde. Ça aussi, c'est casse-couille, ça. Oh, attends, non, lui, on va l'éviter. Attends, attention aux balles. Oui, attention aux balles des tireurs. Bon. Attention, parce que là, j'ai plus qu'une seule barre. J'ai intérêt à ne pas faire n'importe quoi. Putain! Oh! Putain, et en plus, on est morts tous les deux. Ça fait chier. Allez, allez, c'est pas là, hein. Bon, même si ce jeu est... Même si ce jeu est loin d'être parfait, j'aurai le privilège de le tester aussi. Après tout, le principal c'est de tenter, d'espérer. Attention à ne pas... attention au pro, voilà. Aux balles des tireurs, voilà. De la super puissance, voilà. Allez, allez, mais oui, mais saute plus haut aussi. Voilà. Putain de fait chier lui aussi avec sa double lame là. Oh. Ok, ce jeu est pas simple. Ce jeu n'est pas simple. Oh, attention, parce que là il y a encore un autre ninja qui vous balance des projectiles. Oui, alors c'est ça ce qui est chiant. Alex Kidd, hormis son sabre, il a pas d'autres armes que son sabre. Il n'y a pas d'autres armes que par exemple un shuriken ou quelque chose comme ça. Non, 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 il a que ça. Mais c'est vraiment con parce qu'un ninja doit être muni d'autres armes. Et là, je sais pas pourquoi, mais... Enfin, je sais pas. Soit c'est peut-être une erreur des programmeurs, je sais pas. Alors attendez, parce que... Ah mince, attendez, parce que là, je suis venu en bas. Attendez, mince, attendez, je suis... Mais non, mais non, mais grimpe pas sur... Ouais, ah, ça y est. Bon, voilà. Voilà, ah oui, donc là dans ce niveau il faut utiliser une super force comme ça. Voilà, ah oui, voilà, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Attendez, je recommence. Voilà, allez, recommence. Mais lâche pas! Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Ah, je retourne au début, en bas, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on va refaire. Voilà, allez, on continue. Voilà, joli! Voilà. Bon, ça va. Bon, ça va. Là, c'était vraiment facile. Ah oui. Et là, on va s'intéresser au boss. Alors, ce boss-là, franchement, il est dur. C'est un peu comme celui dans Shinobi dans Sega Master System. Là, il faut vraiment le buter en un coup. Voilà. Ah, putain, j'y crois pas. Mais quelle salope! Oh là là, mais putain, mais je vous jure. Bon, écoutez, les gens, je propose qu'on s'arrête là parce que là, je commence à avoir un petit peu marre. Ce jeu, franchement, il a beau être bien, mais je sais pas, mais je le trouve dur, je sais pas pourquoi. Bon, en même temps, avec ce genre de jeu avec Aliski, on peut pas s'attendre à des miracles. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, j'aurais tenté le coup. Voilà, donc, les gens, c'était donc Alex Key in the Shinobi World sur Sega Master System, édité par Sega, sorti en 1990. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut!